J'ai commencé un peu à votre âge, en étant quelqu'un qui a eu la chance d'avoir un prof qui, je pense que ça devait être en quatrième, dans un collège de Vendée, qui était très cinéphile. Et à l'époque, qui nous professeur de français et qui nous communiquait ça en plus. Et ça a été pour moi une découverte. Ça a été quelqu'un qui nous parle de films classiques. Et puis, et aussi à l'époque, il est arrivé une petite anecdote, il y avait un film qui s'appelle Le Doulos de Jean-Pierre Melville, avec Reggiani, Belmondo, c'est un film classique qu'on a passé ici d'ailleurs. Et ce film, il était passé à Nantes, et il y était allé. Et il avait rencontré là-bas Serge Reggiani, qui était venu présenter le film. Et le lendemain, dans la classe, il a sorti son magnétophone, qui est une magnétophone avec des bandes à l'époque, etc. Il installe ça sur le bureau. Et puis, il nous retransmet ce qu'il avait enregistré la veille, la nuit. Il avait interviewé Serge Reggiani, qui était donc venu pour présenter le film. Moi, j'avoue que ça m'avait assez bluffé, quoi. Je me suis dit, waouh, le cinéma, c'est quand même. On va voir un film, on rencontre un acteur, on peut lui parler, on peut ensuite, grâce à un magnétophone, l'écouter, etc. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui sont passées. Et je n'avais pas vu le film à l'époque, j'avais pas. J'ai été à Nantes pour le voir. Je suis rentré par la porte de sortie parce que le film était atteint au moins de 16 ans et j'avais pas 16 ans. Donc j'ai fait comme Truffaut comme Jean-Pierre Léaud dans les films de Truffaut. J'ai attendu que les gens sortent et je me suis faufilé. J'ai vu le film et j'ai vu le Doulos. Voilà. Et ça a été pour moi un petit peu un choc, comme ça, une découverte. Et j'ai vu d'autres films. J'étais pas particulièrement dans une famille qui était disposée à ça. Hein. C'est plutôt des gens simples et agriculteurs. Et donc, pas particulièrement. Mais c'est devenu pour moi une passion qui s'est développée à partir de ça. Et puis, à partir, comme vous l'avez, je fais des études ici, à la Cato. Ensuite, puis très vite, je suis rentré dans le métier, comme ça, par animateur. Dans une maison de la culture qui n'a pas été construite mais qui a été en préfiguration ici. Et puis voilà, donc j'ai vu beaucoup beaucoup de films, je voyais presque tous les films qui passaient à Angers, il y avait une douzaine de salles, j'arrêtais pas d'aller au cinéma. Et puis le week-end, j'allais aussi avec des amis à Paris et on partait le samedi matin et on voyait des films à partir de midi jusqu'à le dimanche après, dimanche soir, on voyait que des films. Donc c'était un petit peu une folie. En même temps, je travaillais parce que il fallait que je gagne ma vie pour payer mes études. Donc on arrivait à être assez fou pour faire tout ça. Et le cinéma, ça a été vraiment très moteur pour moi. Et puis après, j'ai commencé à en vivre parce que j'ai racheté. Avec des amis, parce que j'ai pas d'argent, mais on a racheté une salle qui s'appelait Le Club ici à Angers, qui est une salle pas très loin d'ici, elle est fermée maintenant. Et elle était en vente et c'était un peu. Elle était en vente parce qu'elle n'avait pas d'avenir. C'était une salle un peu de quartier, et puis une salle unique. Et à ce moment-là, ils construisaient les complexes. Alors, ils n'existent plus maintenant, les complexes, mais à l'époque, il y avait. 5 salles et 7 salles sur le boulevard Foch, ici. Tout était concentré ici, des complexes à l'époque, on appelait ça des complexes. Et donc les salles de quartier fermaient. Les fameuses salles dont je vous parlais, où j'allais au cinéma, elles fermaient. Et donc en l'occurrence, j'ai racheté une salle qui fermait. Voilà. Donc je l'ai racheté, je l'ai payé un peu trop cher, sans doute assez cher, parce qu'ils étaient contents de trouver un pigeon pour acheter la salle. Et puis ça a marché. Ça a marché parce qu'effectivement, on y a fait quelque chose qui était. Qui n'existait pas sur la ville, c'est-à-dire on a passé un peu plus de films d'art et d'essai, on a passé de la version originale. Et puis j'ai commencé à inviter les réalisateurs ou les comédiens ou les producteurs. Voilà. Ce que j'avais découvert au collège avec cette histoire de Reggiani. Je me suis dit, mais voilà, il faut faire ça, quoi. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai trouvé un endroit en centre-ville d'Angers.
Et là, j'avais un tout petit peu plus d'argent, parce qu'au bout de 4 ou 5 ans où ça marche un petit peu, les banquiers, cette fois-ci, ils me recevaient. Donc, enfin bon, ils étaient prêts à me prêter de l'argent. Donc là, j'ai racheté un endroit qui était un entrepôt, qui était vide à l'époque, qui est devenu les 400 coups. Voilà. Donc il y a eu d'abord 4 salles, j'ai créé 4 salles, ensuite une 5e, ensuite la 6e et la 7e. Donc il y a 7 écrans sur la même rue, donc de chaque côté. Et puis voilà, c'est une salle qui continue à faire ce qu'on avait commencé à faire dans l'autre, c'est-à-dire, sauf qu'on avait une chance inouïe, c'est qu'on avait plusieurs films à passer en même temps. Ça, c'était ce qui nous limitait un peu dans un mono-écran. C'est pas facile à gérer, un mono-écran. Par contre, quand vous avez beaucoup d'écrans, c'est formidable de faire cette offre-là. Donc, ça s'est beaucoup développé. Et puis, aujourd'hui, elle marche bien. C'est une salle qui fait plus de 300 000 entrées, 340 000 entrées cette année. C'est formidable, un beau succès. Et puis, qui est devenue aussi la rue Jeanne Moreau, puisque c'était la rue Clavaux, mais puisque Jeanne Moreau était liée. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà. C'est une salle où, précisément, on reçoit des réalisateurs, on reçoit du public, beaucoup de public jeune, parce que tous les matins, il y a des séances supplémentaires qui sont faites à la demande. Même mon équipe, on leur demande pour 12 élèves, on fait une séance. C'est pas grave. Donc, parce que bon, il y a 7 écrans, autant qu'il soit, les films commencent à midi, donc entre 10h et midi, on peut tout à fait faire des séances supplémentaires. Donc on les fait, et puis on reçoit des associations, on reçoit des gens qui animent, qui proposent des films aussi quelquefois, et qui font des animations, puis on reçoit des réalisateurs qui viennent. Alors évidemment, quand c'est Jean Dujardin, ça remplit la rue au-delà de la salle, parce que la grande salle ne fait que 240 places, mais on est souvent... voilà. Et puis à partir de ce... Pour terminer, sur cette partie de ma vie ici à Angers, c'est que au bout d'un certain nombre d'années, comme ça, je me suis dit que ce serait formidable de faire un festival, parce que ce qu'il y a de bien dans une salle commerciale avec 4 écrans, 5 écrans, 7 écrans, c'est que vous avez une offre formidable. Maintenant aussi, vous avez une offre qui est déjà un peu préparée par le marché lui-même. On prend les films qui sont sur le marché, on prend les films qui sont distribués, vous voyez. Bon, donc c'est un peu... vous faites des choix, bien sûr, mais c'est des choix un peu... déjà prévisible. Un festival, c'est autre chose. Ça peut devenir un lieu d'aventure. Et là, on peut faire des découvertes, on peut montrer des films qui ne sont pas dans le commerce, qui ne sont pas diffusés. Et on a choisi, moi j'ai choisi de faire des premiers. Voilà. Donc de partir sur l'aventure, encore plus aventurière, parce que c'est des débutants, donc des gens qu'on ne connaît pas et dont on va montrer les premiers films. Et vous avez vu un petit peu aussi le mélange de ce qui se passe ici. Il y a des réalisateurs, mais il y a du public. Il y a beaucoup de public. Et ça, c'est essentiel pour eux, parce que d'un seul coup, ils arrivent ici un peu solitaires. Parce que quand on fait un premier film, on n'est pas très reconnu, hein, au-delà de sa famille, de ses amis. Donc ils arrivent ici, et d'un seul coup, ça devient quelque chose qui leur donne, en général... un peu de l'énergie, de l'enthousiasme, parce que en général, bon, le public, il est assez respectueux des films ici, hein, mais en même temps, le public, il juge, hein, mais on choisit des bons films, j'espère, donc la preuve, et donc les gens qui en repartent, en général, sont plutôt contents, et ça les aide pour faire le film suivant. Ben, on verra, quoi, d'année en année, quoi. Voilà. Vous faites au fur et à mesure chaque année un nouveau projet. Oui, alors on fait des choses nouvelles. Depuis maintenant quelques années, on a pris aussi la collégiale Saint-Martin en centre-ville, qui est une très belle collégiale du XIIIe siècle. Et là, on y fait précisément les images du futur. Là, il y a aujourd'hui des expositions plus immersives, avec du virtuel, etc., avec la 3D, etc. Donc on pense aussi à ça, parce que ça peut être, on peut débuter aussi par ça. Le transmédia ou le cross-média, c'est des gens qui font aujourd'hui du cinéma sans passer forcément par le court-métrage ou par le long-métrage, font des choses qui sont peut-être des séries, des choses qu'ils font pour le téléphone portable, pour le net, pour l'ordinateur. Donc on pense à ça, c'est nouveau par exemple. Donc on a assez souvent comme ça des idées nouvelles.
Cette année aussi, on a fait quelque chose avec une équipe en 54 heures. Un film est fait alors, par 8 groupes différents. Donc, c'est toute une histoire. Et voilà. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui viennent de nous, mais pas que. Il y a aussi des initiatives qui viennent des partenaires ou des gens comme vous ou des gens qui ont dit si on faisait ça. Donc, nous, on est là pour aussi les rendre possibles. Là, bon, nous, ici, on a quelque chose qui s'est instauré, c'est qu'il y a des professionnels, voilà, aussi des jeunes professionnels. Mon équipe de programmation, c'est des gens qui sont assez jeunes, hein, je pense que c'est entre 25 et 35 ans, mais ils sont pros déjà, ça veut dire qu'ils ont déjà fait ça, ils ont déjà expérimenté. Et puis, beaucoup, beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles qui sont, entre guillemets, stagiaires, c'est-à-dire qui sont rentrés par la petite porte. Qui rentrent en disant ben voilà moi je voilà alors presque tous ceux qui sont là ils sont rentrés par cette petite porte, c'est-à-dire le programmateur Arnaud Gaumelin, il a commencé stagiaire ici Louise a commencé stagiaire, ils ont tous commencé à un moment ou à un autre en disant voilà moi j'ai envie de travailler. Alors stagiaire ça veut dire pas avoir une grande expérience, donc on vous offre notre bonne volonté. On a envie de bosser, ça nous intéresse, donc c'est ce que vous êtes en train de dire vous concernant. On a envie d'en être, on a envie de travailler. Bon, alors nous, on est de l'autre côté, on se dit, attention, on veut bien faire rentrer quelqu'un, mais qu'on ne perde pas de temps non plus, parce qu'il faut que ce soit efficace. Et l'événementiel, vous avez dit le mot, c'est très 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 exigeant. La routine, ce n'est pas très exigeant, parce que ce qu'on n'a pas réussi ce jour-là, on le fera le lendemain. L'événementiel, c'est il n'y a jamais de lendemain. Il y a toujours un événement qui suit l'autre et qui suit l'autre. Vous en loupez un, vous ne pouvez pas le rattraper. Vous loupez la projection d'un film, y en a un autre qui attend et c'est fini pour celui-là. Donc aujourd'hui, c'est une expérience qui est très, très formatrice, l'événementiel. Ça oblige à être très le résultat immédiat, pas se tromper, être efficace tout de suite. Donc ça, si vous rentrez dans des endroits comme ça, alors le deal, il est souvent un deal aussi de bénévolat, bon, c'est semi-bénévolat ou total bénévolat, bon, c'est pas de l'exploitation, c'est quelque chose qui est un moment où on se dit, on va apprendre quelque chose, parce que quand quelqu'un rentre comme stagiaire ici, il apprend quelque chose, et puis nous, on va aussi former, transmettre, et puis aussi utiliser sa force de travail, son initiative. Donc c'est quelque chose qui se passe, à tel point que tous les gens que je dis qui sont ici, qui sont devenus ensuite, et ils ont commencé. Et ça, c'est nous, j'ai 1000 exemples comme ça, et bien plus que ça d'ailleurs, parce que quelquefois, moi dans le métier du cinéma, bon, que je connais bien parce que j'ai fait beaucoup de métiers dans ce secteur, quand j'appelle les sociétés, quand j'appelle quelqu'un, mais je tombe souvent sur quelqu'un qui me répond en disant « alors quand j'appelle plutôt le patron parce que je suis à un âge où on connaît les patrons, mais quand les premiers à qui on parle, c'est pas directement le patron. » Et là, « Mais oui, mais Claude-Éric, je vous le passe. » Et « On se connaît. » « Mais oui, mais j'ai travaillé à premier plan, je suis passé par premier plan, mais j'y suis allé. » Il y en a partout. Donc je suis très content parce qu'on a quand même beaucoup de stagiaires qui passent. Et puis je pense que c'est une bonne expérience. Donc si vous voulez faire ce métier, si vous voulez, il faut avoir des connexions, il faut commencer à connaître des gens, il faut profiter, il faut s'interroger pour ce qu'on veut faire, être capable de le faire, être exigeant avec soi, mais en même temps, il faut aller à l'aventure, quoi. Et moi, je pense qu'il y a des gens, moi aussi, quand j'ai commencé, je ne savais pas que je m'allais m'intéresser au cinéma, hein, donc voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre, comment dire, il faut laisser le hasard. Et puis là, l'intérêt d'un festival comme ça-là, d'une manifestation comme ça-là, il y en a beaucoup, hein, c'est de pouvoir au moins rentrer quelque part. Parce que ce n'est pas toujours facile de rentrer dans une entreprise, de rentrer dans une activité. C'est fou. Voilà. Là, c'est plus facile. Donc profitez-en et à partir de ça, vous verrez bien. Hein, vous choisirez votre... Il y a des gens qui ont eu des parcours inattendus, hein, pour eux comme pour nous.